Il me faut du Wari, RS Quattro ou Ferrari. Je fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Get comme mon mani, ça grille les feux rouges dans tout Paris. Il a tweeté il y a 31 secondes. C'est quoi vos résolutions objectifs pour 2022? Arrêtez de me faire toucher la pute. Et tous les jours, il tweet n'importe quoi. Ce matin, j'étais en train de faire Bellec quand soudain un mec m'a tabassé la gueule avant de me pisser dessus. Mais quand je suis sorti du coma, j'ai remarqué qu'il avait laissé un mot dans mon tronfion dessus. Le CV de Namuel Fouin qui postule dans ma certe Zerma Industrie 3000. Combien d'entre eux font les voyous? Gyrophare qui passe, ça jette un caillou. Ils se font rire les vrais Kaira, on trouve pas sur les toits qu'on est dans les bails, nous. C'est la loi des bandits, meurs. C'est insoutenable. Je sais pas, non, t'as un petit copain? Non, pas spécialement. Tu préfères les filles peut-être? Non plus. Ah, les extraterrestres alors? Non, non plus. Oh non, mais non, je vais pas, désolé. Je suis obligé, je vais faire une crise de panique. Je vais faire une crise de malaise, les gars, je vous jure, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais il est fou! Mais pourquoi il a fait ça? Mais c'est la pire erreur de sa vie! Il va s'afficher en vidéo et en plus à la fin, genre, peut-être il va récolter un numéro, mais Inch'Allah, mais il récolte au moins un numéro, wesh, le pauvre! Voilà que c'est horrible! Pourquoi il focus le support, frère? Y'a la DC qui me tient jusqu'à la mort, mon ref, viens! Non, frère, c'est trop, ce fils de pute, faut le perma, lui. Lui, faut le perma, frère. Voilà, c'est trop, voilà que c'est trop, j'ai jamais passé une aussi mauvaise lane. C'est le premier jungler qui me baise autant que cul. Merde, t'abonné, mec, kill, biche, big kill, t'abonné, zébil, rat, fuck, mon kill. Rasa عندي زب كبير نعربو الراسة تاعك. Ah, wesh. Mais fake, si demain mon mec, j'en suis lassé, j'ai envie de voir ailleurs, c'est normal. Tu es une pute. Je te le dis pour ton mec, je te le dis pour moi, ainsi que pour tous les hommes de France. Tu es une pute. Je suis désolé de te l'apprendre. Non mais rien, la canette m'a giclé dessus. La canette m'a giclé dessus. Sors. La canette m'a giclé. Sors. À l'époque, tu vois, et je faisais ma valise. Le premier date, t'as vu, c'est pas en mode la meuf, c'est la 20e fois je la vois, il y a une proximité, on peut faire des choses, on se dit des trucs. Non, le premier date, on apprenait à se connaître, tu vois. Dans ma valise, il jette une huile de massage lubrifiante. Il me dit, tiens, ça va te servir. Certainement pas. Les gars, je tiens quand même à préciser qu'à ce moment-là, ça partait dans un sens où, en gros, on ne sait pas comment ce date aurait pu se passer. Peut-être. Non, mais frère, mais premier date avec une meuf, tu sors une huile de massage lubrifiante, elle te prend pour un fou, mec. Non, frère, elle te prend pour un mec entreprenant qui va lui faire découvrir une expérience de fou malade. Mais tu sais que, mais imagine-moi demain, j'ai un date avec une meuf, tu vois. Oui. Et c'est pas prévu, mais ça se termine chez moi. Oui. Et de son sac à main, elle sort des items de sexe, tu vois. Je sais pas, elle sort un god, des capotes fluorescentes, peu importe ce qu'elle sort. Je me dis, mais wesh, comment ça, elle a autant de stuff sur elle? C'est... Normalement, t'as vu LOL quand tu démarres LOL la partie? Au début, t'as pas de stuff. Mm-hmm. Genre tranquille, tu vois, tu fais tes goals, tu prends ton XP, ensuite tu vas au shop, t'achètes tes items. Tu démarres pas la partie avec des items. Les gars, n'oubliez jamais, si un jour vous avez un date avec une meuf et que ça se termine chez vous ou chez elle, une huile de massage fait absolument tout le truc. Oui, mais toi, c'était pas une huile de massage, c'était du lubrifiant. Mais parce qu'après, mais ça c'est pour les débutants en massage. Et là, tu poses le truc, il y a une odeur de fraise qui se met dans toute la pièce, une odeur de cocotier, une odeur de sexe. Et là ensuite, frère, tu mets tes mains, tu caresses le dos, et de là, la meuf elle pense que t'as un génie du massage, frérot. Ça part de là. Arrête d'être con. Frère, une huile de massage à la fraise. Ça glisse tout seul. C'était à la vanille en plus. Non, c'était à la fraise, c'était rouge. Oui, c'était rouge, mais c'était à la vanille. Non, c'était à la fraise. Bon, tu veux que je la sorte devant Wad? Oui. Vas-y, bah je vais la sortir. Huile. Et je vous montre les refs, c'est celle-là qui m'a passé. Mec, elle est au Yang Yang. Mais alors, ça vient des fruits asiatiques, ça vient des cocotiers d'Asie, frérot. Mais pas du tout, c'est une fleur. Mais frère, ça vient d'Asie, gros. Ils sont trop forts là-bas, et les fleurs, elles sentent bon. Et tu feras ça, elle se dira, mais putain, ce mec, il a fait le tour du monde pour m'apporter des fruits. Mec, l'Asie, gros, elle va faire le tour du monde du sexe. Elle va se pointer le tour du monde du cul. Gros, elle va se dire, mais ce mec me fait découvrir toutes les sensations du monde. Qui c'est ce mec? Mais frère, putain, mais t'es trop con. C'est pire. Elle va se dire, ce mec, il connaît tout. Non.
Non mais non. J'ai envie de péter un câble, j'ai envie de péter un câble. Il pue la merde. Il pue la merde, frère, il me prend le raid. 2-3, tu pues la merde. T'as un item, The Bee. C'est trop, faut arrêter d'être des fils de pute, pareil. Voilà, il me prend mon item, il pue sa grand-mère. Voilà que c'est trop les fils de chiens comme ça. Il va le donner, dans 2 secondes, il va le donner. C'est bien la preuve que votre système fonctionne vu que je suis frustré, je relance une game, ça marche vraiment bien. Et je vais même, vous savez quoi, je vais même aller dans le store, je vais vous donner 50 balles tout de suite. Vous méritez, vous avez réussi à me pousser à bout. Votre système fonctionne très très bien, la logique que vous avez en vous, c'est parfait. Regardez, je vous donne 50 balles, c'est cadeau, allez on va aller sur PayPal ensemble. Je vous les donne, c'est cadeau, je vous donne tout mon argent de toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Putain. Une bande de cons, une bande de cons. Ah il revient. Chope vite mon niveau 2. Putain les gars, je suis déjà mort. Ah la honte. Comment il a dit ça? Mais les gars, je suis déjà mort, putain. Et chier, grave, j'ai la haine. C'est un tryharder ce Adam Chico là. Il a un flash ou pas? Je crois qu'il a tout hein. Eto, la vidéo de Théodore est masterclass. Ton passage m'a fait pleurer de rire, tu es vraiment le goat. Merci beaucoup Eto, merci. J'en ai gros sur la patate. Oh fils de pute. Ah le fils de pute. C'est quoi pour vous la meilleure façon ever de DM une meuf? Et c'est sûr, ça marche. Ok, ne pas la DM. Ah ouais? Ouais. Et faire en sorte qu'elle te DM. Ah ouais? Oui. Bizarre, toi, tu m'as DM avec un taquet là, genre. Ah ouais? Ah ouais. Avec sûrement. Une faute en plus. Sûrement. Bah, c'est pas sûrement. Au moins, ça joue la sécurité. Sûrement, mais au moins, moi, voilà, j'ai joué la sécurité. Ah, non, je vois que t'as ambition de vouloir m'allumer, bah je vais faire de même alors. Non, mais attention, je préfère prévenir. Non, parce que... non, je suis bon joueur. Non, je suis joueur. La vie de ma mère, je suis joueur. Je prends les manettes. Mais chaque erreur, je vais faire en sorte de taper dessus sur chaque doigt. Vas-y, tu veux me faire moi. Vas-y, bah bismillah, prépare-toi. Je vais t'apprendre ce que c'est. Comment on rabaisse. Regardez, pour l'instant, j'ai fait le durag et les yeux. Mais vas-y, frère, ça bouge, c'est une dinguerie. S'il y a des graphistes qui veulent prendre ça et bosser dessus, prendre un screen, bosser dessus, essayer de bosser dessus, allez-y, tu vois. Mais pour l'instant, j'en suis là, voilà. On dirait Bichou. Non, mais les gars, je l'ai toujours dit et je continuerai à le répéter. Je pense que Bichou a un lien de parenté avec Freeze Corleone, les mecs. Bah ouais, ça peut aller, toi. Ah ouais. T'as quel âge? 17. Je veux que te faire parler pour entendre ta voix. Merci. Pourquoi tu vois j'entends ça, moi? Tu fais exprès ou t'as un truc? Ouais, mais c'est sûr, il fait exprès. Ma maman, elle m'a dit ça. Mais ta maman, elle a dit beaucoup de choses. Mais il fait exprès, ça doit dire. Elle dit, je suis spécial. Non, je fais pas exprès. Frère, t'as une bite dans le cul ou quoi, frère? Non. Sur moi. Mais arrête de moquer de moi. Qu'est-ce que tu penses d'Éric Zemmour? Je l'encule. À la bagarre et en débat. Pourquoi? Mon gérant, il... Parce que regardez, moi je suis le gérant, mais le propriétaire il est dans les parages. Mais en fait, la viande elle est pas très très fraîche. C'est pas bon d'acheter ici. Ah oui, mais c'est vous allez prendre les patates seulement, non? Oui, d'accord. Juste oui. Non, mon ami, c'est très sérieux. Oui. Ah oui? Les patates. Oui, vous travaillez dans ça? Travaille ici, madame. Comme ah. Des fois, la viande elle est très très vieille, il faut quand même manger. Ah, oui. Moi, je viens de me parquer maintenant, je me suis stationné maintenant, je vais travailler. Je vous ai vu avec les enfants, ça fait mal au cœur. Ah oui? Vous mangez pas la viande. Ouais, juste prendre une boisson pour les gens. Boisson, frites, patates, oui. Patate, oui. Crème glacée. La solution, pas les problèmes. Je te jure qu'on est pas pissé and love. Il suffit que je sorte un queue tru pour que tu cavales comme Usain Bolt. Dans le bas, tu gèles trop. Toi, dis-moi, t'es venu pour quelle drogue? Dis-moi si tu m'aimes, dis-moi si tu kiffes quand on fout le Delport. Je vais les canner, mais je vais y aller par étapes. Ouais. Pété, j'ai roulé phare éteint.